Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, un petit tutoriel rapide, mais très efficace quand même. On m'a posé la question ce matin s'il était possible de sauvegarder son arbre de nœuds et de pouvoir replacer son étalonnage comme ça en un simple clic. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit oui. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, j'en vois deux. Celle-ci. Imaginons, vous avez toujours la même scène, le même décor, le même éclairage. À la limite, la seule chose qui va changer, c'est peut-être votre coupe de cheveux et vos vêtements. À ce moment-là, pouvez-vous dire peut-être qu'il serait temps d'appliquer une colorimétrie un peu plus généraliste, plutôt que de refaire à chaque fois tout un arbre de nœuds et de faire sa colorimétrie point par point. Une fois que vous avez fini de faire votre étalonnage, vous ouvrez la galerie juste ici, et sur l'image, vous faites un clic droit, vous appuyez sur Glap Style. Une fois que la petite vignette est apparue, vous faites de nouveau un clic droit, mais sur cette dernière en tout cas, et vous descendez sur Export with Display Lute. Une fenêtre s'ouvrira et vous aurez l'occasion de mettre un petit titre à ce fichier-là et de le sauvegarder en .dpx. Regardons ce qui se passe maintenant. Je vais supprimer ceci. Je vais supprimer mon arbre de nœuds, resetter le tout premier. Et maintenant, dans la partie galerie, il me suffit de faire un clic droit, importer avec une lute de sortie. Vous choisissez votre fichier dpx, importer. Et dessus, vous faites tout simplement un clic droit, Apply Grade, et voilà. L'avantage, c'est qu'en simplement deux clics, vous serez passé de ça à ça, tout en conservant votre arbre de nœuds. La deuxième méthode est aussi simple, mais là, vous n'aurez pas besoin d'apporter à chaque fois le fichier qui correspond à un étalonnage précis. Ce sera directement disponible dans DaVinci Resolve, peu importe le projet sur lequel vous serez. On va tout d'abord ici, en haut à gauche, sur le Style Albums, et on l'ouvre. On reste bien sur le Styles pour l'instant. On va sur notre visuel, clic droit, Grab Style, comme d'habitude, et ce coup-ci, on va attraper la petite vignette et la glisser dans le Power Grid. Vous ouvrez le Power Grid pour être sûr, il s'y trouve bien. Et maintenant, pour s'assurer que cela fonctionne bien, je vais tout simplement créer un nouveau projet et voir ce qui se passe. New Project, créer, je vais dans ma page Edit, j'importe mon clip, je retourne dans la partie étalonnage et ce coup-ci, je vais utiliser la partie Power Grid. Clic droit dessus, Apply Grid et voilà. Et comme ça, on peut enfin se rendre compte que Sofiane avait une chemise qui était à carreaux rouge et bleu marine. Et oui, jusque-là, on pensait tous que c'était à carreaux noirs. Sur ce, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche, à laisser un commentaire et surtout à passer sur ma page Ko-fi. Des fois, je vous y laisse quelques petites surprises. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.